on vous offre ici dans cette école 10 minutes d'un temps pour soi. Un temps pour aller ressentir qu'est-ce qui se passe en moi. D'accord ? Et pour cela, je vais vous inviter dans un premier temps à bien vous asseoir sur votre chaise, puis apprendre à relâcher les épaules. Et pour cela, je vous invite à lâcher les bras le long de votre corps. Voilà, sentir ce qui se passe. Voilà. La semaine zen, c'est un projet qui date donc de maintenant 3 ans. C'est à l'origine un constat sur le fait que les enfants sont sursollicités, tant à l'école que dans leur vie privée. Et on a construit la semaine zen dans cette optique-là, d'amener l'enfant à vivre un autre rythme en fait, sa semaine, à travers des espaces de détente. Pour cette année, donc, on a des espaces un petit peu forêt, jungle, avec de l'herbe synthétique, des arbres exotiques et puis des coussins, un petit endroit pour se poser. Vraiment, l'objectif, c'est d'amener l'enfant à ce qu'il ait un moment, un sas de relaxation où il puisse juste se poser et ne rien faire dans sa journée. Après, on a un espace plage et un espace camping avec des tentes. Et puis, cette année, on a innové en incluant les CM2. Ils prennent part à un atelier qu'eux-mêmes ont décidé autour des sens. À côté de ça, on a deux intervenantes. Une intervenante sur le yoga, et où les enfants ont la possibilité de découvrir cette activité tout le long de la semaine. Et une activité aussi Shutaido, qui est un art martial et énergétique. C'est des mouvements très simples pour les enfants, c'est très abordable. Donc vraiment, l'objectif de la semaine, c'est vraiment de détendre les enfants et d'amener l'enfant dans une posture agréable et détendue tout le long de sa semaine, même en classe.